C'est une bête blessée qu'on va affronter aujourd'hui. C'est parfois la plus dangereuse, donc attention. Grosse première séquence de jeu, là, des Bleus, avec Taofi Fenoua qui est en possession de ce ballon. Libération du pont. Cretin, Vakatawa dans le couloir. Le décalage pour Teddy Thomas, petit coup de pied à suivre. À la course maintenant, Antoine Dupont. Ah, c'est fait. Oh, l'essai, le magnifique essai d'Antoine Dupont. Et Antoine Dupont qui va revenir côté fermé. 3 contre 2, très bien négocié. Le coup de pied par-dessus de Teddy Thomas et Antoine Dupont, qui encore une fois, beaucoup de clairvoyance et de maîtrise, qui vient inscrire cet essai d'entrée de jeu. C'est parfait, hein. Parfait. Un peu de réussite avec cette balle volée. Un 9 dans le dos, 9e essai international. Youngs pour Ford. Vonipola. Ouais, Slade qui accélère. En 1 contre 1 face à Brice Dulin, encore une fois. Il faut redresser la muraille bleue, mais la menace se précise à 5 mètres de la ligne. Et le décalage est fait pour Anthony Watson. La voilà, la réponse anglaise après 10 minutes de jeu. Gros travail de Sapp. Et ensuite, voilà, ces redoublements qui sont très bien exécutés. Ils trouvent forcément ensuite les intervalles, les espaces, libération de balles rapides. Et belle clairvoyance, hein, de la part de Ford, qui vient longer cette dernière passe sur sa main gauche pour Anthony Watson, qui n'a plus qu'à aplatir. Son 4e essai dans le tournoi cette année, pour sa 50e sélection. Ça temporise, hein, dans les 40 mètres, utilisation du jeu au pied. Antoine Dupont, il va être un peu long, ce jeu au pied. Ils ne vont pas pouvoir être à la bataille aérienne. Ne pas rater les plaquages au point de chute. Et surtout avec lui. L'espace, hein. Anthony Watson qui maintenant accélère, mais les cannes. Le coup de pied à suivre d'Anthony Watson à la course. Maintenant, ça va jouer. Jalibert est revenu. Jalibert qui contrôle ce ballon, qui reste sous pression. Bien joué. Il a sorti ce ballon pour Penaud. Et les appuis, hein, l'activité de l'ailier Watson. Ah, il est en feu, hein, depuis le début de ce tournoi. Ouais, et pour l'instant, il est dans un bon jour, Wayne Farrell. Magnifique, Dulin qui va attaquer la ligne d'avantage. Très longue séquence de jeu, le petit coup de pied par-dessus, pourquoi pas l'essai de Jalibert. Allez Mathieu. Oh, il aplati avant la ligne. Ouais, c'est très clair sur ce plan. Mathieu Jalibert a la possibilité de ramener les Français à 3 points. C'est fait. L'essentiel, c'est de marquer, hein, être pragmatique. Katawa donc de retour pour sa 28e sélection cet après-midi. Lancé intéressant pour Marchand. Fond de touche, la combinaison avec Ficou. Dupont. Oh, c'est magnifique ce lancement de jeu. Allez, décalage. Jalibert qui fixe, qui donne pour l'essai en coin. Allez, ouais. Splendide. Un essai en première main. Un essai pour Damien Penaud. Son 5e en 7 titularisations dans le tournoi avec les Bleus. Combinaison splendide réalisée par nos Bleus. Et Jalibert qui est allé fixer à merveille les derniers défenseurs à la fin de ce premier acte. Ce sont les Bleus qui mènent ici à Twickenham, 17-13. Que des joies dans ce match, et pour l'instant nous les avons. La seule question, c'est est-ce qu'ils vont tenir physiquement avec le même rythme imposé depuis le début. Bien joué encore une fois, magnifique. Et Jalibert qui navigue bien dans la défense de cette équipe d'Angleterre. Les libérations sont rapides. Dupont pour Aldridge. Il est en jeu, Itoji, il est en jeu, il est en jeu, voilà, le bras est tendu. Jalibert ajoute 3 points, France 20, Angleterre 13. Essayez de contenir cet assaut des Anglais avec Aldridge qui essaye de reprendre. Il y a un avantage. Jamie George. Allez, faisons tomber, vite, voilà, bien, bon plaquage. Oh, le relais dans l'axe, Itoje sur Cameron Wauki. A-t-il aplati Maro Itoje? Il y a la main de Cameron Wauki sous le ballon. Alors là, cette décision, elle vaut cher. Regardez, c'est la main de Cameron Wauki qui est sous le ballon. Et ils sont déjugés par Joy Neville. Qui donne essai à cette équipe d'Angleterre. L'enchaînement maintenant de Dupont sur les extérieurs, peut-être avec Jalibert. Il y a un 2 contre 1 peut-être à jouer en bout de ligne. Brice Dulin qui entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Allez les Bleus, il reste une poignée de secondes. Conservation, être propre au niveau des nettoyages. Voilà, au niveau des soutiens, avancer. Aïe, c'est en avant d'Antoine Dupont. Décidément, forteresse imprenable. 9e défaite de rang ici pour les Bleus. Et pour les hommes de Fabien Galthié.